Bonsoir et bienvenue à tous. La Fédération des associations en Hauts-de-France, FAG-HDF, a procédé à la distribution de 85 sacs de riz et de denrées alimentaires ce jeudi 20 avril 2023 à Simon Boussia, dans la commune de Ratoma. Cette zakat al-fitr permet aux personnes nécessiteuses de bien passer la fête de Ramadan. Plus de précisions avec Foudé Bakary Dansoko et Mohamed Lamine Fox. Ce don de la Fédération des associations guinéennes en Hauts-de-France intervient à quelques heures de la fête d'El Al-Fitr. C'est pour permettre aux fidèles musulmans de la capitale de passer une très bonne fête en cette période difficile. D'autres villes de l'intérieur du pays sont également concernées par ce geste magnanime de la FAG-HDF. Aujourd'hui, nous sommes à l'école Manguet Junior. Comme vous le savez bien, nous sommes à la veille de la fête de Ramadan, et qui est Eid al-Fitr, et où on est consacré en fait à faire la distribution en fait des denrées, en fait des riz. En ce qui concerne la zakat al-fitr, donc comme Dieu l'a recommandé dans le Coran, et chaque génère, chaque musulman doit prélever au moins 2,5 kg, vraiment de donner ça en zakat aux personnes nécessiteuses. Donc nous sommes là aujourd'hui et avec la collaboration en fait de notre partenaire Le Message, et une association aussi qui est en France et depuis 2018 qui collabore avec nous, qui intervient toujours dans ce même domaine et sur le domaine en fait de colis alimentaires et sur la zakat al-fitr. Donc comme vous le voyez, nous avons presque 85 sacs qui sont là, presque 4 tonnes et demi de riz, mais dans l'ensemble du pays nous aurons presque 10 tonnes de riz qui sont distribués dans les différentes régions aussi. Nous avons Labé, nous avons Mamoun, nous avons Dabola, nous avons Kissidougou. Ce geste humanitaire intervient au moment où le besoin se fait réellement sentir. C'est pourquoi les bénéficiaires n'arrêtent pas de remercier les donateurs. C'est un sentiment de joie. Je suis très contente de cette ONG qui pense aux personnes démunies et aux personnes pauvres. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire, c'est juste les remercier et que Dieu les récompense pour ce bienfait. C'est une très bonne chose. Et au moment où les fidèles musulmans sont en train effectivement de finir le mois de juin, le mois de Karim, alors, une telle œuvre est une œuvre salutaire, parce qu'en fait, il n'est pas facile d'en rencontrer. Aboubakar Souma invite les autorités guinéennes et les personnes de bonne volonté à apporter leur soutien à cette ONG humanitaire afin de mieux combattre la famine en Guinée. Nous pouvons demander un appui aux autorités et aux bonnes volontés vraiment de pouvoir accompagner cette ONG qui est la FAG, parce que l'objectif de la FAG c'est de pouvoir aider en fait la Guinée et les Guinéens. Nous ne sommes pas sur la seule action, nous sommes sur l'accès à l'eau potable. Nous avons déjà 4 forages qui sont en construction à Boké, à Koya, à Mamoun et à Kaporo. Donc tout aussi avec la collaboration de nos partenaires. Nous avons aussi des projets aussi qui sont là en ce qui concerne les projets d'éducation, ouvrir les centres de formation, pouvoir faire une réinsertion, créer une certaine autonomisation des jeunes. Donc nous pouvons demander vraiment un appui du gouvernement et des personnes de bonne volonté de collaborer, de s'allier à cette organisation vraiment qui a une très grande ambition de pouvoir réduire vraiment cette famine. L'ambition aujourd'hui de la FAG-HDF, c'est de non seulement chasser la pauvreté dans notre pays, mais aussi contribuer à leur manière au développement socio-économique de la Guinée. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de l'avoir suivi. Restez connectés. Les informations continuent sur nos différentes plateformes de communication digitale, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn. Bonne fête de Ramadan par anticipation à tous les musulmans du monde entier. Au revoir.